Salut à tous et à toutes, c'est LeTeQ25, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais beaucoup mieux qu'hier, alors vous me laissez d'abord m'excuser énormément pour ce que j'ai dit hier. J'étais pas conscient de tout ce que je disais. Je vous demande d'écouter cette vidéo vraiment jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'à la dernière seconde, parce que tout est vraiment très très important. Alors d'abord, on se retrouve pour L86 LSW, moi, avec toutes les armes, épisode numéro 16. Donc, je préviens, bah, ça va être un, je vais faire un assez bon score sur la partie. Je vais vite présenter ma classe, donc je joue avec la L86 silencieux viseur laser, pilleur, détermination, tracker, spécialiste, assassin, passe-passe, conditions extrêmes. Voilà. Je suis en démolition, je cas où. Donc déjà maintenant on va attaquer directement. Je vais vous essayer de vous remettre d'abord en confiance. Je vous promets quelque chose, c'est que je n'arrête pas YouTube définitivement. Je fais une petite pause d'environ une semaine ou deux. Pourquoi déjà? C'est juste parce que je suis un peu crevé, je vais dire ça comme ça. Ça fait depuis 2 semaines que je me lève tous les jours à 6h du matin pour aller au cours de rattrapage de maths. Et vous pensez que vous couchez à minuit heure matin, vous levez à 6h, ça fait très 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 mal, surtout sur 2 semaines. Donc je suis déjà. Ce qui explique aussi un peu l'absence de vidéo, c'est que j'ai besoin un peu de dormir entre guillemets. Donc, voilà, alors double FMG9, c'est pas grave, donc, je disais ça. Donc ne vous inquiétez pas, je reprendrai un rythme normal et tout. Ce que je disais, donc, quand j'ai dit qu'il allait faire des vidéos, ça me faisait chier, c'est dans le sens où on salit mon travail. Je vais pas dire que je fais un travail extraordinaire, je ne vais pas me surestimer. Je pense que honnêtement, pour moi, je fais un bon travail. Je vais dire un truc, vous allez peut-être mal le prendre, mais pour vous, les abonnés qui font pas de vidéos, pour vous, il n'y a rien de plus simple. Donc ceux qui font pas de vidéos, vous allumez votre iPhone, votre iPod, enfin, ce que vous voulez, votre PC. YouTube, abonnement, LeTeQ25 ou DiableX9, peu importe, il a fait une vidéo, vous la regardez, vous aimez pas, vous commentez, point. Je pense que vous avez pas. Pour vous, ça vous prend 5-6 minutes, enfin, plus le temps de la vidéo. Nous, tous ceux qui font des vidéos, ça prend beaucoup plus de temps, déjà par le fait qu'il faut commenter la vidéo, il faut l'enregistrer, après il faut faire le rendu Sony Vegas, supposer tout, nous, ça prend beaucoup plus de temps. Et ça, il faut essayer de comprendre que je sais pas parfois. Il n'y a pas quoi, hein. Je parle au nom de plusieurs youtubeurs, c'est qu'on sait pas faire tout, on sait pas être à l'écoute de tout le monde. Exemple, j'ai des abonnés qui veulent du Jack 2, je sais très bien, je vous le promets, je vous le mettrai. Mais pas pour l'instant, parce que là je suis un peu vraiment full. Mais il faut penser donc que je sais pas être à l'écoute de tout le monde. J'ai des abonnés qui veulent du Call of, j'en ai qui veulent du Jack Dexter, du ci, du ça, voilà, je sais pas suivre tout le monde. Et d'autant plus qu'il y a un problème, pour l'instant je suis un peu en rogne. C'est l'inactivité des abonnés, sans parler. Vous êtes 500 et j'ai 100 vues sur mes vidéos et j'ai 5-6 pouces verts, 2-3 pouces rouges. Hier j'étais content, même si j'ai beaucoup de pouces rouges sur ma vidéo qui disait que j'allais arrêter. Je suis content, ça vous a fait un petit peu bouger parce que bon, je vais pas dire que vous êtes fainéant, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que j'aimerais bien avoir beaucoup plus d'avis positifs comme négatifs. Du fait que j'ai 500 abonnés, donc je pourrais peut-être avoir j'ai une bonne cinquantaine de pouces verts rouges confondus. Voilà, après il y a aussi ça qui suit pas, mais ce qui m'énerve c'est qu'on salisse mon travail. Donc je disais, je vais pas dire que je fais du beau travail, mais j'en ai marre, donc je passe du temps à commenter mes vidéos, je me casse parfois la tête à faire des mobs. Vous pouvez demander aux abonnés qui m'ont suivi, la mob avec l'USS 12, j'ai passé 3 prestiges à la faire. Hein. Ok, j'ai joué 3 prestiges non-stop à l'USS 12 pour vous la faire. Et j'ai ragé pendant, je pense que j'ai fait un peu massivement gueuler par mes parents parce que je rageais comme un gros porc. Il faut comprendre aussi ça, c'est que la MOAB, c'est ok, c'est très joli tout. Je sais pas la faire toutes les armes. Pour l'instant, j'ai beaucoup de mal parce que ça fait une semaine que j'ai pas joué à Call of Duty. Donc, je vous proposer des gameplays, vous inquiétez pas, je vous mettrai des MOAB. Je vais essayer de garder la cadence d'une vidéo par semaine pour l'instant. Mais sachez que j'arrête pas YouTube définitivement. Donc, je disais, c'est compliqué par le fait. Que je sais pas suivre toujours, je sais pas être partout à la fois. Et ici, honnêtement, je vais avoir beaucoup de mal à faire mes vidéos pour l'instant. Donc, comme je dis, j'ai arrêté Call of et tout, parce que j'en avais vraiment marre. Je pense que. Oulala, j'ai bugué. Je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec le fait que j'ai arrêté Call of, que c'est un jeu de merde. Je dis pas le contraire, je suis tout à fait d'accord. Je n'aime pas Call of. Hein. Si j'adore Call of, avant tout mon jeu préféré, mais. Voilà, il y a un temps où maintenant je suis à bout. C'est qu'à le dire, je suis à bout. Je sais plus jouer comme avant quand j'étais prestige 20. Honnêtement, j'étais avec vous, donc j'ai fait le bug d'être en prestige. Je pense que vous avez tous remarqué. Mais j'avais le double XP, donc je montais vite mes niveaux. J'étais content, je montais vite les niveaux des armes. Donc ça allait très très vite. Hein. Je pourrais jouer une heure avec une arme. Je l'avais niveau 30, enfin 29-30. J'avais les grands chargeurs, j'avais tout.
J'avais tous mes atouts au début du jeu, c'était beaucoup plus facile. Donc franchement, la personne qui m'a fait bannir, c'est vraiment dégueulasse ce que tu m'as fait. Ok, que tu m'aimes pas, je peux le comprendre, hein, mais voilà, sache que c'est vraiment pas dégueulasse ce que t'as fait. Parce qu'à cause de toi, regarde ce que ça m'a mené. J'ai perdu un peu ma confiance de jeu. Alors là, c'était la grosse rage à ce moment-là, parce que je venais de mourir, hein, vous m'avez remarqué, je suis mort. Et il reste 4 minutes de jeu, je me suis fait non, c'est fini. Mais ne vous inquiétez pas, la mob, je pense que je l'aurai bien. Je pense que je l'aurai. Enfin, peut-être même le double, je pense, qu'avec la prolongation. Enfin, non, je laisse une surprise. Mais voilà, donc maintenant, je reviens au sens du salis mon travail. Donc, je me casse la tête à vous faire des mobs et tout. On vient m'insulter de booster, de tricheur, de noob. Ah, ok, on met des pouces rouges, des commentaires négatifs et tout. Alors que moi, je passe beaucoup de temps sur mes vidéos. Faut pas croire que je bâcle mon travail. Ok, il y a parfois des vidéos que je pourrais bâcler vite fait bien fait parce que c'est un truc très très léger, exemple un petit match à mort au snipe ou n'importe quoi, un petit truc rapide. Mais faut penser que là je bâcle pour mes mobs, je prends énormément de temps. Du reste, maintenant je vais vraiment faire ma vie IRL à fond en avant, hein, parce que ok, YouTube c'est bien, j'ai fait quelques croix sur un peu ma vie IRL, enfin quelques trucs dans ma vie IRL pour YouTube. Donc maintenant ça va être l'inverse, donc faudra pas vous étonner qu'il y a de moins en moins de vidéos. Enfin, il y aura toujours, je dis pas le contraire, vous arrêtez, je n'inquiète pas, vous êtes juste. Oh là là, là décidément j'ai du mal. Hein. On voit que j'ai perdu l'habitude des commentaires. Donc je disais, je vais m'y remettre tout doucement, donc restez abonné, mais ouais. Je vais m'y remettre, il faut. Voilà, de stress, quoi. Je vais m'y remettre petit à petit. Bon, par contre, je commence à me demander en 2 minutes 40 si j'irai ma mob là, parce que ça commence à peut faire un peu court. Ça commence à pas me le demander. Ça fait direct kill. Deux kills. Ça va être très très chaud. J'ai l'impression que ça va être vraiment chaud. Vraiment, je fais ce mob express. Écoutez, je sais vraiment pas vous dire. Mais pour ce qui est donc si j'essaie de travailler, je pense que je commence à me répéter, mais il faut me comprendre. Imaginez-vous que vous passez des heures à faire vos vidéos, vous jouez comme un. Imaginez, vous avez joué tout votre jeu, toute votre vie. Ah, c'est un exemple. Hein. Toute votre vie avec le Dragunov, enfin la mob au Dragunov. Et on va vous dire que c'est un gameplay de merde, que c'est du boost, que c'est d'aucune qualité. Je pense pas que vous allez être très très content de voir ce commentaire. Faut comprendre ça. Faut aussi comprendre ça que c'est dégoûtant pour la personne qui l'a fait. Exemple. Je pense que vous savez tout ce qu'il s'agit. MC8TX. On n'est pas très 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 copains. Hein, on est plus ennemis. Et ici sur ma dernière vidéo, il a marqué un j'aime des gains à soutien pour Dateke. Alors est-ce que c'est faux cul ou est-ce que c'est vraiment pour dire je vais me faire pardonner parce qu'il va arrêter YouTube? Ça, je pense que c'est gentil, hein, c'est gentil. Je dis pas le contraire, c'est très gentil de sa part. Même si je n'aime pas trop, on sait pas trop. C'est comme un bon geste ce qu'il a fait. Je dis pas le contraire. Pour une fois que je dis quelque chose de positif sur lui, je pense que c'est très rare. Mais il faut comprendre ça. Voilà. Oh, toi t'es mort. Écoutez, je commence un peu. Je pense que j'ai presque tout dit. Et ça va me poser encore. Oups, désolé. J'avais oublié. Il nous reste 3 minutes 30 de vidéo. Donc désolé si le truc dit mode studio. Mais il fallait que je puisse me repérer au niveau du temps. Voilà, donc je suis pas grand chose à vous dire, mis à part le fait que je vous demande de garder la confiance en moi, je ne laisserai jamais tomber. Ça, c'est. Je vous promets. Un jour, ma chaîne s'arrêtera, faut bien se dire, quand je serai adulte et tout, je commence à travailler. Bon, on a encore quelques années devant nous. Mais il faut se dire, un jour, ça sera pas éternel. J'aimerais bien, mais voilà. Après, dites-vous aussi que j'aimerais voir que les abonnés suivent. Dans le sens où vu le rapport pour l'instant le rapport vue abonné est très très faible, on est à 0,1 50 vues pour 500 abonnés, c'est très 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 faible. Ça je comprends pas pourquoi. Je pense que j'ai eu chaud. Je pense qu'on devrait pas arriver à bientôt arriver à la mob. Mais sachez une chose, c'est que moi faire mes vidéos pour vous, ça fait très très plaisir parce que vous êtes fidèle. Dans le sens où vous me soutenez, j'ai vu des commentaires, hein, on te soutient, t'inquiète pas, t'es hyper génial, enfin ça fait vraiment plaisir de lire des commentaires comme ça, moi je peux vous dire, ça me fait super plaisir. Hein. Vous voyez des commentaires positifs, vous voyez que les gens croient en vous, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable dans la vie d'un côté. Et voilà, ici j'ai ma mob, d'ailleurs je pense que j'ai failli crever, hein, si je m'en souviens bien, enfin si mes souvenirs sont bons. Voilà, je suis mort d'un côté, en fait je pense que j'ai remarqué, mais à chaque fois que j'ai une mob, je meurs d'après. Kaboom. Voilà. Donc écoutez, j'espère juste que vous aurez convaincu. Alors désolé de remettre ce truc du mode studio, attendez 9 kills. Il nous reste 1 minute 30. Il nous reste 1 minute 30. Bon désolé, franchement je perds un peu mon perdre du temps. Je vais essayer de me remettre à la qualité du commentaire, je vais travailler là-dessus, vous inquiétez pas.
semaine prochaine, enfin courant cette semaine-ci, je vous aurai la mob avec la MG36, je pense, peut-être la MG36. Et je vais essayer de mettre vraiment du commentary, du pep dedans, de vous redonner l'envie de jouer. Hein, je me rappelle à Jack et Daxter, j'ai plusieurs potes qui ont acheté Jack et Daxter grâce à moi. Pourquoi? Parce que je donnais envie de jouer. Je donnais l'envie de jouer tellement que ce jeu était excellent. Vous avez vu super endroit tout. Je sais pas si vous vous rappelez. Ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir. Vous allez voir Jack et Daxter. Petit carnage au passage. Triple quad. Quad fil. Bon, c'est simple, mais bon. Voilà, c'était vraiment bien. Donc, je vais essayer de reprendre le goût de Call of Duty. Je vais essayer hein, petit à petit. Du reste, mon HDP vert, il a failli partir hier, mais il est pas parti. Hein, je le garde. Donc ça, c'est une bonne preuve que j'irai pas YouTube. Je garde bien mon HDP vert. Il faudra pas vous inquiéter là-dessus. J'essaie de vous faire un petit truc à ajouter, mis à part le fait que oui, pour moi, vous êtes vraiment comme des frères et sœurs. Alors ça va paraître débile à dire, mais ça fait. Vous savez pas savoir ce que ça fait. Je pense j'ai dit dans le jour. J'aimerais bien un jour ça serait possible comme ça de voir tous mes abonnés devant moi là. Imaginez, on est sur la grande place au bord d'un lac ou quoi, tous ensemble. C'est quasiment impossible parce qu'il y en a beaucoup qui habitent en France et tout, mais imaginez-vous ce que ça serait vraiment extraordinaire. Bon écoutez, il nous reste 20 secondes, donc j'espère que je vous aurai convaincu avec ma voix. Sur ce, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. À surtout à mettre un j'aime, je voudrais vraiment vous mettre des j'aime pour me soutenir, ça pourrait vraiment faire plaisir. Mettez des commentaires, mettez-les en favori, partagez-la. Moi je peux vous dire, bah, prenez soin de vous, hein. À la prochaine, allez, salut tout le monde.